Nous allons mixer dans un bol d'un petit blender toutes les épices. Alors, on va tout mettre ensemble. Donc là, c'est l'oignon. Ensuite, l'ail et le curcuma. La fleur de sel, la coriandre en grain. Le cumin. Alors ici, on a du cumin, on a des baies de cannelier, du poivre noir et des clous de girofle. Les baies de cannelier, si vous n'avez pas des baies de cannelier, vous pouvez mettre de la cannelle. Là, c'est le gingembre et l'origan. Et là, c'est du piment doux en poudre et du piment d'Espelette. J'ai refermé le bol du blender. Et on va moudre finement. Je pense qu'on peut encore moudre un peu. Il y a les grains de coriandre qui sont encore un petit peu. Donc là, on obtient une poudre relativement fine. Bon, on trouve encore des petits morceaux de baies de coriandre, mais c'est pas grave. Donc d'une belle couleur un peu jaune. Donc si vous n'avez pas les épices, toutes les épices pour réaliser ce rub, ou le temps de le faire, un moyen encore plus simple, c'est d'utiliser du rasellanout, donc qui est un mélange d'épices orientales qu'on met souvent dans le tagine ou dans le couscous et qui fera très bien l'affaire pour la marinade. Donc là, j'ai pris un petit pot en verre propre et donc vous pouvez conserver quelques jours ce mélange. Bon, pas trop longtemps. Mais disons que ces mélanges maison seront toujours plus ou moins quand même meilleurs. Ils exprimeront plus de parfum que des mélanges achetés dans le commerce qui, malheureusement, quelquefois sont stockés pendant quelques mois et qui perdent un peu leur saveur. Une épice, plus vous la moulez, une épice, il faut la moudre juste avant de l'utiliser. Pour réaliser ces brochettes d'agneau, nous allons utiliser du gigot d'agneau. Alors ici, donc, j'ai choisi un gigot d'agneau qui était coupé en deux, parce qu'un gigot d'agneau entier aurait peut-être été un petit peu gros. Donc là, c'est la partie la plus grasse vers le haut du gigot. Donc on voit bien l'os, là. Il y a ce qu'on appelle la panouf, enfin la peau, avec un peu de graisse. Et de l'autre côté, donc, on voit l'os qui rattache, disons, la patte arrière au tronc de l'animal. Donc le but du jeu, là, c'est de retirer l'os, déjà, dans un premier temps. Ensuite, d'énerver et de dégraisser un peu le gigot, la viande du gigot, et ensuite donc de tailler des cubes. Donc c'est tout simple, hein. Sinon vous achetez un gigot chez le boucher, vous demandez de désosser, c'est tout aussi simple que ça.
sound right, boys. Je mets un peu d'huile d'olive, ce qui va permettre aux robes de mieux adhérer à la viande. Donc là, on mélange. Donc on est généreux. Je pense qu'avec 5 à 6 cuillères de robe, on va voir. Je mets déjà ça. Je vais mélanger. Alors, je peux vous dire que ça sent bon. Ça sent bon le cumin. Alors, j'ai goûté le robe. L'oignon grillé, l'oignon frit fait bien ressortir les saveurs. C'est très équilibré. Le cumin et le piment d'Espelette viennent relever un petit peu. Donc, c'est un robe qui est relativement doux. Donc j'ai mis du piment doux, donc c'est de la poudre de piment doux du Pays Basque, et j'ai mis du piment d'Espelette. Le poivre, tout ceci fait que quand même, c'est un mélange d'épices qui n'est pas très, très fort en piquant. Voilà, je pense que ça va être... Allez, encore un tout petit, une petite cuillère. Vous voyez, j'ai presque tout utilisé. Et il y avait 1,4 kg de viande brute au départ. Je pense qu'à l'arrivée, il devait y en avoir 800 grammes. Hein. Il y a quand même de la perte. Hein. Donc voilà, là, maintenant, on va remettre cette viande au frais, reposée. Alors, 12 heures. Sinon, si vous êtes pressé, vous pouvez faire la cuisson tout de suite. Mais si vous voulez que les saveurs imprègnent bien la viande, je pense qu'il vaut mieux quand même laisser reposer un peu. Donc monter nos brochettes d'agneau. Donc la viande ici a été taillée en gros cubes de façon égale. Je vais utiliser des oignons et des poivrons, donc que j'ai blanchis. J'ai blanchi à peu près 6 à 8 minutes les poivrons et 4 minutes les oignons. Je vais avoir besoin de piquants bambou, d'un plat pour recevoir mes brochettes quand elles seront montées. Voilà, donc l'idéal c'est de faire ceci donc dans des règles d'hygiène les plus appropriées. Donc bien sûr se laver les mains, se les sécher et après utiliser des gants. Vous aurez certainement besoin aussi également d'un petit couteau. Donc on va monter une première brochette. On va prendre l'oignon. Alors l'oignon, je l'ai coupé en quartier et j'ai laissé la racine, ce qui a permis de le maintenir en forme. Donc si vous trouvez des petits oignons qui auront la taille à peu près des morceaux de viande, c'est pas plus mal. Moi, j'en ai pas trouvé, donc j'ai utilisé des gros oignons que j'ai coupés en quart. Donc vous voyez, vous les coupez en quart et après, une fois qu'ils sont blanchis, vous les coupez en deux. Vous faites attention que les oignons ne se séparent pas trop pour l'esthétique de la brochette.
Donc ce qui est important quand vous montez des brochettes, surtout pour une cuisson à la plancha, pour une cuisson barbecue, c'est moins grave. Parce que là, c'est une cuisson par rayonnement. La plancha, c'est par contact, hein, j'arrête pas de le dire. Donc il faut absolument que vos brochettes soient bien régulières et qu'elles soient bien en forme. Donc là, on va mettre un petit bout de poivron. On va mettre un deuxième morceau de viande. Alors on va faire des belles brochettes, un peu serrées. Moi j'aime bien l'agneau quand il est saignant, donc j'ai fait des morceaux assez, assez gros. Voilà. Donc deux belles brochettes comme ça par personne, c'est quand même une bonne portion. On va utiliser du poivron jaune. On va peut-être même en mettre deux parce que j'ai beaucoup de poivrons. On va mettre un deuxième morceau de viande. Donc on serre bien. Alors pour la plancha également, privilégiez plutôt les petites brochettes. Parce que la surface de cuisson des petites brochettes est plus petite et donc la cuisson sera plus régulière qu'une grande brochette. Alors, il y a plein de petites astuces comme ça qu'on découvre avec l'expérience et j'essaye de la partager avec vous. Donc là on va couper bien au milieu. Bon, s'il y a des petits bouts qui se détachent, c'est pas trop grave. Donc là, vous voyez, j'ai inversé, j'ai mis l'oignon en premier. Enfin, peu importe. Peu importe. On va mettre du jaune pour la couleur.